plaidé Lila, il y a un troisième membre gang Village de Dieu. Bon, bien entendu, c'est troisième membre là et c'est camarade ça Maf qui joigne arrestation. Edison Maf ainsi connu, c'est comme ça qu'on connaît, c'est troisième chef gang qui a opéré en dans Village de Dieu. La police en République dominicaine a arrêté le samedi 28 novembre. C'est autorité dominicaine lui-même qui a arrêté le Santo Domingo. Arrestation ça fait suite avec un mandat d'amener qui était émis contre camarade ça par commissaire gouvernement pour au Prince-Lan pour assassinat, vol à main armée entre autres. 28 novembre 2020, arrestation samedi 28 novembre de Edison Maf, un allié puissant chef gang cap opéré qui n'en prison à Nel Joseph mais toujours by l'autre dans village là et avec ces deuxième gang ça qui était arrêté. Donc bien entendu Maf c'est troisième gang là, premier c'est Mano, deuxième dans c'est Iso, Maf c'est troisième chef gang Village de Dieu qui arrêté en République Dominicaine. Force l'audio en République Dominicaine nous procéder avec arrestation suite avec un mandat d'amener qui était émettre contre camarade ça Maf ainsi connu et par commissaire gouvernement près tribunal première instance Port-au-Prince là n'a pas la de Gabriel Ducamel dans date 26 novembre 2020 lieutenant Village de Dieu li accusé d'enlèvement suivi de séquestration contre son assassinat ak vol à main armée. Edison Maf li même la remettre li ba autorité haïtienne avant longtemps pour capable répondre question la justice en Haïti puisque avec mandat ça qui était émettre contre li Maf ti l'obligé lague pied l'Italie en République Dominicaine. En même Maf c'est troisième chef gang Village de Dieu, commissaire gouvernement capital là li réagit là montrer le côté en pile il confirmé Maf te gen mandat d'ailleurs Gabriel Ducamel. Information que nous gagnons concernant n'a pas annoncé que suite à des informations que nous gagnons concernant le nommé Edison Maf ainsi connu monsieur c'est deuxième chef gang Village de Dieu c'est Youna Yé Arnel Joseph et li impliqué dans kidnapping, vol à main armée et assassinat dans pays a et cal caché en République Dominicaine. Nous décerné un mandat d'amener contre lui et la police dominicaine exécuté mandat et arrêté monsieur le samedi 28 novembre 2020 à Santo Domingo. Il a été remis aux autorités haïtiennes pour qu'il puisse répondre des actes qui lui sont reprochés. Message là, est clair. Bandi yo gen deux choix. C'est ou bien yal nan prison ou bien yo changer métier. Parce que nous pap kouri et quel que soit côté yo yé n'ap jwenn yo. Voilà donc pour déclaration commissaire gouvernement capital on a parlé là de maître Gabriel Ducamel. Il y a monde déjà kidnappé et assassiné. Plateforme syndicat enseignant croit l'État apparaît et puis complice toujours utiliser la police pour matraquer. Monde qui décide de lever campé pour ça changer. Plateforme syndicat enseignant fait qu'on implante ça rentrer dans une stratégie pour qu'un des pouvoirs net alcoolé. Pour empêcher syndicaliste dit y a participé dans tout mouvement lever campé pour casser système ça. Kenson Delis, c'est coordonnateur départemental Ouest Inoué, l'idée dans le micro Radio Méga. Plateforme départemental Ouest syndicat a bail conférence pour la presse dans objectif pour nous dénoncer une situation de criminalité qui établit en DBIA en connivence avec autorité qui est en tête l'État. N'a profité de conférence pour la presse à tout pour nous dénoncer pratique gouvernement qui lague la police pour matraquer tout militant qui décide d'agir contre situation criminelle ça. Et n'a profité pour nous lancer un appel à la mobilisation dans quatre pays en façon pour nous arriver traîner situation. Plateforme départementale Ouest syndicat enseignant constaté comment autorité l'État a montré à clé il y a un rôle clé qui a joué dans la situation criminelle ça qui là nous il y a un pire assassinat qui a fait sur tout secteur en dans pays. Ils ont assassiné professeurs, ils ont assassiné élèves, ils ont assassiné journalistes, ils ont assassiné docteurs et latriers. Et nous, malgré tous les assassinats, l'État était bébé, l'État n'a pas dit rien. Ça veut dire que l'État n'a pas eu aucun problème avec la situation. Mais nous, lorsque des citoyens, des militants,
qui décide de lever campé, qui décide de mobiliser la situation, nous, l'État, utilise la police pour craser Zoyo à coup de bâton et pour vider gaz, si mes gaz lacrymogènes sur eux. Plateforme départementale l'Ouest syndicat enseignant. Pas comprendre comment pouvoir faire à l'aise pour la psymédeille et puis mettre de l'eau dans le jeu chaque jour qui joue. N'a dit pouvoir, nous comprenons jouer, n'a pas joué. Nous comprenons, il voulait qu'il y ait des pouvoirs sur son peuple. Mais n'a dit, c'est mal compté, mal calculé. Il n'y a pas de pouvoir et quand même, un jour, la justice a fait travailler pour qu'il y ait des portes dans le cou. Non, c'est ça. Plateforme départementale l'Ouest syndicat enseignant a lancé un appel à la mobilisation dans quatre points pays. D'abord, plateforme nan a appuyé et puis participer dans tout mouvement levé campé qu'a fait dans tout pays en façon pour nous arriver freiner très lentement pouvoir PHTK tabler dans tes pays. Gagné justement opération ça qui mené là dans Gonaïve cité de Brespi, il y a gagné plusieurs munitions qui saisi par opération la police te mené, gagné fusil et pistolet tout, des munitions, téléphone portable qui saisi pendant une opération la police t'a mené dans la souvenance Gonaïve dans département la Timonite pays à mardi 1er décembre 2021 en présence commissaire gouvernement juridiction ça n'a parlé là de métier à Gazius au moins gagné deux présumés bandits qui t'a tué pendant échange de tir avec agent force l'audio, selon justement information yo, opération la police tap mené là une 15 justement dans Gonaïve dans souvenance cité indépendance pays en présence commissaire gouvernement juridiction métier Gazius des fusils des pistolets des munitions et téléphone portable qui saisi pendant opération ça hier mardi pour publier que des présumés bandits qui t'a mouri dans échange coup d'armes avec la police selon confrère nous avec l'autre collaborateur tout qui sur place malfaire ça t'a prend pas avec des actes de kidnapping qui enregistre dans la cité de Brespia d'après dernière information. N'avancer avec information toujours dans le journal Mega Matin gagné sept organisations droit monde parmi eux association pour solidarité et entraide comité pour la paix et développement qui mettait une note d'ailleurs pour faire solidarité avec responsable organisation citoyen pour Nouvelle Haïti à mettre Camille Oxius bandit et rentre la Kaili lundi passé à là organisation ça yo dit yo craint pour mettre Oxius à ta victime parce qu'elle a fait cavalier comme défenseur droit monde directeur exécutif CPDA Pierre Fritznel croit c'était une mauvaise note pour pays si tout dans l'occasion célébration journée internationale droit mounio 9 décembre cap vini là en côté Pierre Fritznel qui mandait la justice les mêmes prend responsabilité pour protéger la vie maître Camille Oxius ensemble avec famille nous même cette organisation droit moun ça yo qui signe note ça jodi a c'est un signe de protestation et dénonciation sous attaque qui fait dans Kaïmé Camille Oxius, jour qui était 30 novembre. Je ne sais pas quoi sont secret pour personne. Maître Camille Oxius, coordonnateur général au Sénat, c'est un défenseur de l'homme. C'est un monde qui prend en pile position publique ces derniers mois sous des dossiers sensibles dans le pays. Nous ne voulons pas orienter ce qui passe par rapport à ça, mais toujours est-il que Jean nous comprenne situation hein, par rapport avec situation dégénérescence que pays a connait là journée aujourd'hui a nous pas capable écarter possibilité pour c'est un cadre travail li comme défenseur droit monde l'état subi mode de menace ça dans sens ça nous a demandé avec autorité l'état yo particulièrement police nationale pour prendre toutes mesures et nécessaires de manière à ce que pour mettre Camille pas gagner un épingle qui touche elle. Mettre Camille tant comme on dit déjà, c'est un défenseur droit monde et surtout n'a pas approché de 9 décembre qui c'est journée internationale des défenseurs droits de l'homme. Donc moi quoi, il vraiment pas opportun pour cet un moment ça, mettre Camille Oxius coordonnateur général au CNH là, tu as subi quoi que ce soit, tu as victime de quoi que ce soit. Gagné responsable réseau Plein Pétro Caribé ou la Maurice Noël qui dénonce menace la brise voix dans téléphone tout suite après menace verbale il tire voix dans mes juges Ramon site Aximé maître Noël fait qu'on est là mais là ça vient de une série appel anonyme qui a demandé l'abandonner dossier Pétro Caribé Plein dit remettre la ville avec la même famille dans mes juges Ramon site Aximé avec président Jovenel Moïse toutefois maître Maurice Noël décide un plan qui a demandé gasser la tour pour reconduire Ramon site Aximé comme juge qui va continuer mener dossier Pétro Caribé
malgré critique et tout pliant yo, malgré critique pliant yo, a pas fait compte mettre ça cap mener dossier Petro-Caribéen. N'a pas rappelé maître Ramon Sik Aksimi en côté Maurice Noël. Nous avons des délinquants voyous, c'est des sans maman. Mais menace ça, c'est par la suite, il y a une menace verbale. Juge Ramon Sik Aksimi, tout le monde connaît, c'est toujours Jovenel Moïse lié. C'est lui-même qui était dans le dossier Petro-Caribéen. Le 23 octobre 2020, c'est un vendredi, nous jouons Ramon Sik dans le parage. Parquet. Il dit, c'est pas Maurice Noël. Il dit, mais il qu'on aime bien. Il dit, tu dois prendre un homme dans toute radio, dans toute télévision. Il dit, gardez, fais l'espère. Tu n'as pas quatre l'autre monde. Qui était là, dans la salle là, il dit, si on ne fait espère, la palme. À la vérité, il y a deux policiers ensemble avec lui. Les policiers pas dit ni A, ni B. C'est Ramon Sik qui a misé pour faire des menaces. 8 jours après, menace à eux, nous avons un paquet d'individus qui a pris le téléphone, qui a dit, oh, espère, ferme diol, dans le dossier Petro-Caribéen, ça, m'a pressé voir plusieurs cartouches. Mais c'est toujours appel anonyme, c'est toujours appel privé. Et on l'autre appel, je recevoir, on m'a dit, mettez-vous un dossier pour ta faire pour moi, qui côtoyer. Je dis, qui soit besoin, qui dossier lié. Il dit, non, c'est web pour m'expliquer le dossier. Qui côté m'a venu. Est-ce que m'a venu dans la RNDDH? Je fais mes téléphones. Maintenant, je viens recevoir n'importe 5 appels anonymes qui font beaucoup de menaces. Et moi-même, je t'ai contacté. Maître André Michel, qui c'est avocat Brézoa, maître Maisonneuve aussi, et je te dis que c'est vraiment si t'es mon fou, pas occupé. Même si on est cap travail pour pouvoir, cap travail pour Michel Matéli, cap travail pour Wilson Lalo, Jovenel Moïse, non impliqué 69 points dans le dossier de Togaribé, mais ça va pas mon fou. Et n'est-ce pas, à marcher dans la machine de pour la journée, il y a tiré le bâton. Maintenant, je dénonce à tout dernier bien, je mettais responsabilité, la vie, vie famille, sous Jovenel Moïse. Ramon Sik Aksimi, tout le monde connaît. C'est un tueur pouvoir. 2 ans passés, Ramon Sik pas fait un. Il n'a pas arrêté le monde dans le dossier Petro-Caribéen. Quelle catastrophe. Et depuis qu'on a fait des gens, on a fait des menaces. Moi-même, nous lançons un appel. Bye, toute population.